Mes chers amis, bonjour à tous et merci de me retrouver dans ce nouveau rituel de la pleine lune du 16 avril 2022. Pleine lune qui passe dans la constellation de la Balance, qui en plus se produit quelques jours avant le sabbat de Beltane. Autrement dit, c'est une lune qui va dépoter en termes d'énergie, mais qui va nous apporter aussi des bonnes énergies, des énergies de renouveau. Comme elle est en Balance, eh bien ça veut dire que c'est quitte ou double, soit ça passe, soit ça casse. C'est pour ça que je vous ai proposé ce rituel particulier du rosier, afin que l'on plante de façon symbolique nos intentions, nos vœux, ce dont on a véritablement besoin pour que ce rosier puisse s'en nourrir avec les énergies de la lune, que ces rosiers soient, que ces vœux soient attirés par la gravité et l'attraction de la lune, afin de pouvoir remonter dans les racines du rosier, que celui-ci va se nourrir pour ensuite faire exploser de belles fleurs qui normalement symboliseront eh bien, la victoire et la concrétisation de ces fameux vœux. Avant de commencer notre rituel, comme d'habitude, on va se faire nos énergies liées à notre pleine lune du 16 avril. On va utiliser l'oracle des sigils mystiques et c'est parti tout de suite. On va se prendre deux petites cartes comme d'habitude pour définir un petit peu qu'est-ce que cette pleine lune va nous apporter. Allez, la pleine lune du 16 avril 2022 dans la constellation de la Balance. Première carte, relation et sociale. Eh bien oui, ça complètement logique et ça colle même complètement puisque Beltane, je vous l'ai expliqué, c'est le sabbat, c'est la fête des fêtes, c'est le sabbat de l'amour, c'est un sabbat qui est particulièrement coloré, lumineux, qui favorise les rencontres, qui favorise tout ce qui est la fertilité. Donc c'est le moment effectivement pour eh bien soit démarrer de nouvelles relations sociales, nouvelles relations professionnelles, nouvelles relations amoureuses. En plus de ça, on a le soleil qui revient tout doucement, on a le ciel bleu également qui revient. On est pour l'instant à peu près libre, profitons-en, ça risque de ne pas durer. Donc c'est le moment idéal pour effectivement soigner tout l'aspect social, pour soigner nos relations, pour sortir de nouveau, pour se faire du bien, pour se faire plaisir et ainsi eh bien rencontrer de nouvelles personnes et élargir son cercle d'amis, élargir son cercle relationnel. Et pour la deuxième carte, on a... Oh non mais les amis, je vous jure, j'ai pas triché. Hein. Regardez la carte qu'on a, amour et romance. Je viens de vous le dire avec Beltane, qui est la fête de l'amour, qui est le sabbat de l'amour, de la fertilité, etc. Donc là les amis, c'est plus que clair, hein. Notre pleine lune du 16 avril va nous apporter de nouvelles relations, va nous mettre aussi en relation avec de nouvelles personnes. Ça va être une période propice aux rencontres, donc profitez-en tout le mois qui arrive, là du 16 avril jusqu'à la prochaine pleine lune de mai. Eh bien ça va vous laisser un mois à peu près pour et bien tout mettre de votre côté afin de rencontrer qui vous avez envie de rencontrer. Je sais que certains m'ont fait des vœux pour rencontrer l'âme sœur, pour avoir de nouveaux amis, pour avoir de nouvelles relations professionnelles, pour trouver un travail. Eh bien les amis, vous avez votre réponse ici avant même qu'on démarre le rituel. Les énergies nous disent que c'est déjà favorable, que c'est le moment de le faire. Donc écoutez, moi j'ai envie de vous dire, foncez, allez-y, foncez les amis. Allez, maintenant, le moment que vous attendez toutes et tous, à savoir notre rituel de la pleine lune. Sachez que j'ai vraiment passé toute la journée à faire ça. Ça a été du travail, beaucoup de travail. Alors vous, sur la vidéo, ça va pas vous sembler beaucoup de travail, mais croyez-moi qu'il y en a beaucoup, puisque j'ai commencé tôt ce matin, je suis parti près de ma rivière, j'étais en pleine nature, il faisait beau, il faisait chaud, j'avais les oiseaux qui chantaient, c'était que du bonheur. Je me suis posé, j'ai pris mes petites feuilles, j'ai noté tous les vœux, les noms, les prénoms, etc. Donc vous verrez, pendant le rituel, je prononcerai les différents prénoms des participants, pour bien sûr des conditions normales d'anonymat, hein, ça paraît logique. Je ne prononcerai pas les noms de famille et je ne prononcerai pas les vœux qui m'ont été adressés puisque c'est personnel, c'est intime. Même si c'est pas forcément rattaché à des personnes que vous connaissez, voilà, par principe quand même. Et puis vous connaissez l'adage qu'il ne faut pas dire les vœux sinon ils ne se réalisent pas. Eh bien c'est le même principe. Mais vous aurez au moins les prénoms puisque ça avait été une demande qui m'avait été faite.
Et voilà, donc j'espère que celle-ci sera satisfaite. Donc je vous expliquais que j'y ai passé la journée pour écrire déjà tous les vœux. Et sachez que dans ma nature, à chaque fois que j'écrivais des vœux, je le prononçais à haute voix. Je me suis mis en condition, j'ai fait une petite méditation avant, j'ai parlé à ma nature, à mes énergies, à mes entités, etc. Et à chaque fois, je formulais le vœu et je demandais à ce que le vœu soit réalisé. Donc rien que ça, il y a eu toute cette partie préparatoire que je ne vous ai pas filmée parce que ça a duré 4 heures quand même, hein. Donc je vais pas vous filmer ça 4 heures quand même. La vidéo, sinon, on va faire 8 heures, c'est pas possible. Donc il y avait toute cette partie préparatoire. Ensuite, il a fallu que je découpe tous mes petits papiers, etc., etc. Bref, vous verrez, vous allez juste voir la partie la plus sympa du rituel. J'espère que celui-ci vous plaira. Je vous souhaite un très bon visionnage, mes amis, et j'espère que ce rituel vous apportera plein de bonnes choses. Et sachez que moi, à titre personnel, de tous ceux que j'ai pu réaliser depuis qu'on lance là, les rituels participatifs, celui-ci, je sais pas, il y a eu quelque chose, il y a eu un instant magique, je sais pas, il y a eu un instant magique que j'ai vécu et j'espère vous le retranscrire en vidéo, voilà, je sais pas, j'arrive pas à le définir, c'est quelque chose comme ça qui s'est passé dans mon cœur, que j'ai ressenti des énergies, j'ai senti que j'étais entendu, que j'étais écouté, donc bah écoutez, j'espère les amis que vos vœux sont entre les mains maintenant du karma et du destin et que ça portera ses fruits. Allez, je vous laisse maintenant avec le rituel. Ô lune, notre sœur stellaire, nous t'invoquons en cette heure, où pleine et irradiante de lumière, tu invites chacun de tes serviteurs à célébrer ton pouvoir supérieur. Par ta force infinie de transformation, ton éclat royal qui brise toute limitation, ton énergie qui magnétise notre sang, et par ce brasier fertile gouvernant, déraine de feu la magique initiation. Ô lune, notre sœur stellaire, nous te louons d'être cette messagère qui plonge dans nos gouffres intérieurs, dans nos rêves et nos vies antérieures pour en extraire la divine lumière. Notre cercle alors par un chant nous ouvrons, un chant porté par le souffle des célébrations, et ensemble nous voilà tous ivres communiants, la danse sauvage et sacrée des esprits exécutants, et tout le ciel, ô lune, assiste alors à notre union. Allez, pour démarrer notre rituel, je vais d'abord commencer par mon encens afin de pouvoir purifier chacun des petits papiers avant de les mélanger avec la terre pour le rosier. Bien sûr, pour des raisons d'anonymat et de confidentialité, je ne vais pas prononcer les vœux à haute voix pour la simple et bonne raison que ce sont des choses qui sont personnelles et qui sont propres à chaque personne, donc ce serait malvenu de ma part de prononcer ces vœux-là. Et puis, il y a un petit adage qui dit que, eh bien, lorsqu'on prononce un vœu à haute voix, alors il ne se réalise pas. Je sais, il s'agit de superstition, mais par principe. Néanmoins, je vais quand même énumérer chaque prénom des participants, comme c'était une demande en plus que vous m'ayez formulée. J'accède à cette requête et je trouve ça d'ailleurs normal. Pareil, je ne divulgue pas les noms de famille, je vais simplement dire les prénoms, hein, de toute façon ceux qui ont participé au rituel, vous le savez, vous savez que vous avez participé et vous reconnaîtrez à travers votre prénom, même s'il risque d'y avoir 2-3 prénoms qui seront identiques, mais ça j'ai envie de dire que c'est normal. Allez, c'est parti tout de suite pour réaliser notre encens. Je vais travailler avec 2 encens pour ce rituel-là, pour bénir les petits papiers. Je vais travailler avec du pontifical, qui est très utile pour les cérémonies, pour renforcer les prières, pour les actions à distance. Et puis, comme je l'ai dit, c'est un encens qui est très facile à travailler, qui est très puissant en termes de fragrance. Et je vais utiliser de l'encens de Jérusalem, de la résine de Jérusalem, qui est spécialisée dans tout ce qui est rituel magique, spirituel, pour la puissance, la protection et augmenter la chance. Et la chance, c'est ce qu'il nous faut quand on veut réaliser des vœux, les amis. Sur mon autel, je ne sais pas si vous le voyez, j'ai disposé mes petites poupées souci également afin qu'elles puissent absorber tout ce qui serait négatif. Comme d'habitude, hein, j'ai fait ma petite bulle de protection, mon cercle sacré. Je ne vous montre pas tout, mais vous le savez, vous me suivez. Je vous ai expliqué comment est-ce qu'on réalisait un rituel magique. Donc toute la partie de préparation, je ne vous la montre pas.
Je vais également faire brûler de la sauge blanche, afin bien sûr de pouvoir purifier l'espace, de pouvoir également protéger les vœux pour les enfermer chacun dans une sorte de petite bulle individuelle pour qu'ils soient protégés de mauvaises énergies et de mauvaises choses qui pourraient leur arriver. Allez, on y va maintenant pour la consécration et la purification de tous nos vœux. Par le pouvoir de ma volonté, par le pouvoir de 3x3, que ces mots formulés puissent trouver leur voie. Par le pouvoir de ma volonté, par le pouvoir de 3x3, que ces mots formulés puissent trouver leur voie. Par le pouvoir de ma volonté et par le pouvoir de 3x3, que les mots formulés puissent trouver leur voie. Que toute négativité soit supprimée. Que ces mots chargés puisse se réaliser. Maintenant que nos vœux ont été consacrés et purifiés avec notre encens, je vais prononcer une petite formule afin de pouvoir justement réaliser un vœu. Ça permettra d'activer les mots qui ont été écrits. Hein, vous connaissez l'adage, les paroles s'envolent, les écrits restent. Et bien là, justement, on veut l'inverse, c'est-à-dire qu'on va partir des écrits et on veut que ces écrits eh bien, s'envolent et trouvent leur voie à travers l'espace et le temps. Donc cette formule est faite pour eh bien, dématérialiser ces mots pour que ça puisse eh bien, devenir de l'énergie. J'invite les esprits de l'air et du ciel. Entendez-moi et répondez à cet appel. J'invite les esprits de l'eau et du feu à être les témoins de ces vœux. J'invite les esprits de la terre pour les ancrer dans l'univers. Éléments spirituels et sacrés, permettez que soit acquis ce qui est désiré, qu'à travers vous s'opère la magie pour se réaliser dans leur vie. Merci pour votre présence et nous vous témoignons de notre allégeance. Ainsi soit-il. Pour toi Nathalie, pour toi Catherine, pour toi Christelle, pour toi Caroline, pour toi Marie, pour toi Géraldine, pour toi Christine, pour toi Sabrina, pour toi Julie, pour toi Marie-Laure, pour toi Christelle, pour toi Joanne, pour toi Jean-Patrick, Céline et Lana, pour toi Michel, pour toi Linda, pour toi Cédric, pour toi Nolan, pour toi Stella, pour toi Lilou, pour toi maman, pour toi Tom, pour toi Magali, pour toi Marie-Laure, pour toi Isabelle, pour toi Carole, pour toi Catherine, pour toi Olivia, pour toi Isabelle, pour toi Aurélie, pour toi Céline, pour toi Ange, pour toi Dominique, pour toi Sergio, pour toi Clémence, pour toi Stéphanie, pour toi Nathalie, pour toi Marie, pour toi Cécile, pour toi Aurélie, pour toi Brigitte, pour toi Catherine et ta maman, pour toi Sylvia,
pour toi Eden Suali, pour toi Eric, pour toi Anna Paul, pour toi Claire, pour toi Alison, pour toi Annie, pour toi Justine, pour toi Patricia, pour toi Naï, pour toi Catherine, pour toi Magali, pour toi Céline, pour toi Stéphanie, pour toi Caroline, pour toi Émilie, pour toi Marie-Françoise, pour toi Isabelle, pour toi Sandrine, pour toi Virginie, pour toi Angélique. Pour vous tous dont les noms s'entrelacent, que vos vœux se matérialisent dans le temps et l'espace. Maintenant que tous nos vœux ont été consacrés, purifiés, protégés, je vais maintenant tous les plier en petits morceaux pour pouvoir les mélanger ensuite avec le terreau. Allez, maintenant que tous les petits papiers sont pliés, et je ne vous cache pas que ça a été une étape particulièrement longue, mais nécessaire. Et sachez qu'à chaque fois que je pliais les petits papiers, j'ai formulé différentes prières, j'ai vraiment parlé avec le cœur, j'ai laissé mon cœur parler. Et voilà, je ne vous dirai pas tout ce que j'ai dit, mais je vous ai vraiment souhaité que du bien, car toutes les personnes qui m'ont formulé un vœu sont des personnes qui souffrent, qui ont des véritables besoins. Alors bien sûr, vous avez tous des besoins, mais ceux qui ont participé au rituel, c'est que vraiment, ils m'ont matérialisé ce besoin. Et j'ai été particulièrement touché quand j'ai lu différents vœux, pour certains qui étaient vraiment poignants, qui étaient vraiment tristes. Et voilà, j'espère de tout cœur que ces vœux vont pouvoir se réaliser. Vraiment, j'y ai mis tout mon cœur, toute mon âme, j'ai envoyé toutes mes prières et j'espère véritablement qu'elles vont être entendues, qu'elles vont être exaucées et surtout que vos vœux vont se réaliser. Allez, avant de mettre nos petits papiers dans notre petit pot, car je sais que c'est l'étape que vous attendez le plus, de découvrir le rosier de la communauté, le rosier de l'œil dans le noir, patience, il arrive tout de suite. On va préparer le lit du rosier et pour cela, je vais mélanger avec un petit peu de terre nos papiers. Je vais également mettre de l'eau que j'avais consacrée. C'est l'eau de ma petite rivière qui coule juste en bas de chez moi, vers laquelle je... Vous le savez, hein, je pars me ressourcer très souvent et par conséquent, je l'avais consacré pour les rituels. Donc on va utiliser la puissance de la terre, les énergies de la terre avec les énergies de l'eau pour eh bien, créer une sorte d'engrais favorable au rosier et une terre qui sera imprégnée de vos différents vœux dans laquelle le rosier va venir puiser afin que chaque rose qui sortira de ses fleurs soit la matérialisation de vos vœux et j'espère que vos vœux pourront grandir en même temps que le rosier jusqu'à atteindre une explosion de couleurs et de vie. J'ai l'impression de faire un gâteau. Pour cette étape, il n'y a pas nécessairement besoin de prier. Vous pouvez, si vous voulez, prier dans votre tête ou à haute voix. Vous pouvez formuler le vœu que vous m'avez envoyé. Et moi, ce que je fais avec mes mains, j'essaye vraiment, je ne sais pas si vous le voyez, mais j'écrase la terre avec les papiers comme si je m'imaginais en fait les mots qui pénétraient vraiment dans la terre, qui se transfusaient, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais qui se transfusaient dans la terre, qui s'infusaient également, afin que la terre
deviennent elles-mêmes porteuses de chaque message, de chaque vœu. N'oubliez pas, dans la magie, la visualisation est extrêmement importante et il faut que vous visualisiez ce que vous êtes en train de faire. C'est important, ça permet de pouvoir faire fonctionner le sort tout simplement. Allez, maintenant on va ajouter notre eau consacrée. Voilà, et maintenant on n'a plus qu'à mettre au four à 180 degrés pendant 5 minutes. Allez, non, pas du tout. J'arrête de faire le pitre. On va mettre donc notre petit macérat de vœux qui va être utilisé pour faire le lit du rosier. Et ensuite, on va recouvrir de terre et on va venir planter notre rosier. On se retrouve tout de suite pour cette étape magique. Et le voilà, le voici, le fameux rosier que vous attendiez toutes et tous. Il est là, regardez un petit peu. Il est juste magnifique, il m'a littéralement appelé quand je l'ai vu. C'était le plus vigoureux, il était bien vert, il a déjà des petites, je sais pas si vous allez le voir, mais il a déjà des petits boutons qui commencent à sortir. Donc ce qui veut dire que il va y avoir des roses qui vont sortir incessamment sous peu et je suis vraiment ravi, c'était le plus grand, le plus gros, le plus cher. Mais je m'en moque, c'était important pour moi, je voulais vraiment un symbole qui était très fort, un symbole qui nous immortalise tous, parce que ce n'est pas mon rosier, c'est notre rosier, c'est le rosier de la communauté, de la chaîne, c'est celui qui va incarner nos rêves, nos envies, nos besoins, notre amour, tout ce que l'on porte en nous, et c'est pourquoi on va le bichonner. Et ce qui est bien, c'est que plus tard, quand il va sortir des fleurs, ces mêmes fleurs, je vais les réutiliser pour faire des rituels, pour faire des eaux spécifiques comme de l'eau de rose, mais une eau à base d'eau de lune, de l'eau lunaire avec des pétales de rose, pour y apporter une énergie spécifique, pour créer toujours de nouveaux rituels. Allez, je m'arrête là avant que je sois submergé par l'émotion. Pour le pot, j'ai choisi, regardez, cette couleur, j'espère qu'elle vous plaira. Il n'y avait pas de violet, mais il y avait cette couleur là, qui est une sorte de fuchsia que je trouvais vraiment très jolie, qui je trouve symbolise bien le côté déjà les énergies de Beltane, puisqu'on est entre Ostara et Beltane, donc on est dans ces couleurs de rose, de bleu, de vert, ces couleurs vives, ces couleurs gaies, et puis ce fuchsia me faisait penser à l'amour, tout de suite j'ai vu l'amour, j'ai vu les sentiments, les émotions, et ça m'a parlé immédiatement. En plus, le pot s'appelle, écoutez bien, le pot s'appelle Roméo. Et le rosier s'appelle Rouge Sentimental. Donc autant vous dire que ça a été le combo parfait. Quand j'ai vu le nom du pot, que j'ai vu le nom du rosier, je me suis dit ok, vous deux, c'est le combo idéal, c'est ce qu'il nous faut pour la chaîne. Roméo avec le Rouge Sentimental, voilà, ça respire l'amour, ça respire les bonnes choses, les bonnes énergies. Donc ce rosier, ça va être le rosier de l'amour, l'amour qu'on se porte, l'amour pour la vie, l'amour pour nos proches, pour nos vœux, nos envies, nos projets. J'arrête de parler et on y va tout de suite, les amis. Alors oui, je sais ce que vous êtes en train de vous dire, mais Jojo, il est en train de planter le rosier au beau milieu de sa chambre, et oui. Alors mon idée première, c'était de le faire en extérieur, mais je vous cache pas que c'était un vrai bazar pour le faire en extérieur, parce qu'il aurait fallu que je porte le rosier, que je porte le pot, que je porte le gros sac de terreau que j'ai acheté pour l'occasion. Il aurait fallu que je trimballe tout mon matériel de magie, ma caméra, le trépied, etc. Donc autant vous dire que je me le sentais pas en fait. Je me le sentais vraiment pas, donc je préfère prendre le risque de mettre un petit peu de terre par terre. En plus, regardez ça, j'ai tout protégé avec des journaux. Mais voilà, pour des raisons de tournage pratique, j'ai trouvé ça nettement plus facile. Allez, donc on va utiliser notre macérat de vœux avec donc la terre et notre eau, qu'on va utiliser pour le fond du pot.
Essayez d'imaginer la symbolique, c'est-à-dire que les petits papiers vont finir par se désagréger avec l'humidité et la terre. Ainsi, les mots qui ont été écrits, donc tous vos vœux qui ont été écrits et formulés, vont vraiment pénétrer la terre, vont vraiment se mélanger à la terre, et la terre elle-même va porter ensuite vos vœux, et c'est le rosier qui va s'imprégner de ses vœux à travers ses racines, qui va s'en nourrir, donc on va lui envoyer plein de bonnes énergies. Et ensuite, ces vœux vont se matérialiser à travers les fleurs du rosier. Je trouvais ce rituel franchement magique et magnifique visuellement. Je trouve ça très fort d'avoir la matérialisation de ces vœux. Donc là, toute l'étape que je suis en train de faire, vraiment essayez de voir vos vœux se matérialiser dans le rosier, d'accord ? Envoyez-lui un maximum d'énergie, même si c'est à travers un écran. Sachez que ce que je suis en train de faire, c'est réel, c'est quelque chose de réel. Donc toute l'énergie que vous enverrez, c'est une énergie qui est réelle, d'accord ? Et voilà, notre rosier est enfin planté, mais ce n'est pas terminé pour autant puisque j'ai pris des petits tuteurs pour pouvoir protéger notre rosier. Vu qu'il va être à l'extérieur, et bien qu'il puisse bénéficier d'un support solide pour résister au vent. Comme Beltane approche, je vais également utiliser un petit ruban pour pouvoir le fixer à son tuteur. En plus, le ruban est de la même couleur que le pot. Et ces rubans, ce sont ceux avec lesquels j'ai fait le mât de Beltane qui servira donc pour le rituel. Donc on a en plus une double symbolique ici. Je vais le plier en deux pour qu'il ne soit pas trop large pour ne pas gêner notre rosier. L'avantage des rubans par rapport à la ficelle, c'est que la ficelle peut couper la tige du rosier ou de la plante, que le ruban, vu qu'il est plus large, eh bien par conséquent, il y a moins de risque que ça coupe la tige. Voilà mes chers amis, pour notre rosier rituel qui est maintenant prêt eh bien, à vivre sa vie, à porter tous vos vœux avec lui, à les métamorphoser, à les transformer et surtout à les réaliser et à les concrétiser. Sachez que notre petit rosier ne sera pas seul puisqu'en effet, je lui ai également pris une petite copine avec qui il va très bien s'entendre. Regardez ça, ça pèse un petit peu lourd. Je lui ai pris une sauge blanche également qui sera dans le même pot que lui. Et je suis très content, regardez, parce que je l'ai prise il y a quelques jours, hein, juste avant de commencer le rituel. Et elle s'est déjà bien ouverte, elle s'est déjà bien développée. Donc pour ceux qui se poseraient la question de savoir si la sauge prend très bien, la réponse est oui, j'en ai cultivé pendant plusieurs années. Sachez qu'elle prend très bien en pot et également en extérieur. C'est une sorte de mauvaise herbe, c'est-à-dire qu'il va falloir la tailler régulièrement. Parce que la sauge est extrêmement productive et elle pousse relativement bien également. Et notre sauge va avoir le rôle eh bien, d'ange gardien pour notre rosier, protéger le rosier eh bien, des énergies négatives, puisqu'elle va purifier l'air qu'il y aura autour de lui. Bien évidemment, le rosier va aller dehors, hein, il ne va pas rester à l'intérieur, qu'on soit bien d'accord. C'est pourquoi je voulais lui mettre une sauge également pour pouvoir eh bien, le protéger, le préserver, et qu'il ait sa petite bulle de protection avec lui, puisque quand même, il porte avec lui tous vos vœux, tous vos secrets, vos envies, vos besoins, vos rêves, etc. Et pour moi, c'était très important qu'il soit protégé également.
Voilà mes chers amis pour cette vidéo qui touche à sa fin. J'espère que celle-ci vous aura plu. Si c'est le cas, je compte sur vous pour laisser le petit pouce bleu, partager, vous abonner. Bref, vous connaissez le racolage de YouTuber à force de vous le rappeler régulièrement. Et nous, on se retrouve eh bien le mois prochain pour un autre rituel qui devrait aussi être assez graphique, assez visuel, puisque on va réaliser la balance karmique avec de la magie blanche et de la magie noire. Mais ça, ce sera à découvrir le mois prochain. Allez, sur ça, je vous embrasse très fort, les amis. Je vous remercie pour votre participation. Je vous remercie pour votre confiance et pour bien ce que vous m'avez confié, parce que ça m'a beaucoup touché, vraiment. Et j'ai pris beaucoup de plaisir à faire cette vidéo qui m'a pris du temps, mais vraiment je l'ai fait avec plaisir, et à chaque fois j'y mettais une tonne d'intention, une tonne de bons sentiments, d'amour, de volonté, de tout plein de bonnes choses, parce que vraiment je vous souhaite que dans votre vie se réalisent vos rêves, vos vœux, ce dont vous avez le plus besoin, et que vous puissiez bien vivre en paix et vivre heureux. C'est important. Allez, prenez bien soin de vous les amis, et rendez-vous très vite pour de prochains rituels.